Alors derrière nous, il y a le Nissan Qashqai. C'est un nouveau petit utilitaire sport que Nissan a importé chez nous. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il est extrêmement populaire, plus de 2,5 millions d'unités vendues. Et on espère qu'il va prendre une nouvelle place, c'est-à-dire en dessous du Rogue et en haut du Juke, pour aller remplir un créneau qui est très populaire en Amérique du Nord actuellement. Sous le capot, un petit moteur 4 cylindres 2 litres, jumelé à une boîte manuelle standard et un rouage avant, ou un rouage intégral et une boîte Multitronics, la nouvelle CVT en fait, de Nissan. Tout ça sera disponible au cours du printemps prochain. On a vraiment misé beaucoup sur le même design que l'Europe. On a conservé l'aspect intérieur. Bref, la seule chose qui reste à savoir, c'est le prix. C'est ça qui va déterminer si ça va être vraiment populaire chez nous. Mais objectivement, on arrive vraiment dans un segment où l'avenir est là. On parle de 120 % de croissance par année. Je pense que Nissan a bien compris la leçon.